Bonjour à tous, c'est le retour, c'est OMB73. Et donc on se retrouve pour une vidéo sur le Tour de France 2015. Donc j'ai été absent un petit moment, là, plus d'un an je crois, de souvenirs. D'ailleurs je remercie tous ceux qui sont inquiétés de mon absence, qui m'ont réclamé ardemment des vidéos. J'ai eu des problèmes de compte avec PSN, etc. J'avais toujours pas acheté la PS4. Je l'ai acheté samedi là parce que ma PS3 a rendu l'âme vendredi. Donc ça tombe plutôt pas mal. Et donc, évidemment, dans l'escarcelle, j'ai acheté le Tour de France 2015. Et donc, on va faire une petite vidéo. Donc, en niveau champion, on va commencer à faire 15 000 vidéos. Donc je vais directement en champion, même si ça m'annonce un petit peu chaud. Moi j'ai vu quelques vidéos essentiellement de Mega Driver et de Styros, qui sont des vidéos de très bonne qualité que je vous conseille si vous ne les connaissez pas. Je vais prendre celui-là, tiens. Qu'est-ce que je vais mettre? Place 73, Place c'est mon surnom. Ça vient du fait que en école d'ingénieur, on était trois à avoir un nom qui commençait par là. La placette, la cave, la combe. Et les surnoms, c'est devenu place, cave et combe. Voilà, c'est très con, mais c'est juste pour ça. Et maintenant, j'habite en Savoie, donc c'est place 73. Hop. On attaque directement, donc avec une étape 2 en ligne de plat, de sprint. Un petit contre-la-montre de 6 km et le col de l'hospédale pour terminer. C'est parti. Donc j'ai renommé un petit peu mes coureurs. Hein. Le thème c'est la chanson française, mais donc on a Benabar Tabat, Jacques Dutronc d'Arbre, Bistromae, Eddie Mitchèvre, Sacha Distil, Johnny Hallyday, Alain Garde-Barrière, Hervé Wisslard et Nerdic Rivers. Et donc pour cette étape de plat, il nous faut un sprinter. Ils sont où les sprinters? Ils sont... je suis perdu du coup en renommée. Les sprinters, ils devraient être là. Hein. 75, non. Sprint, 68, non, ça m'étonnerait. Ah, du coup, je suis perdu avec ces conneries. 66, 65, 60, 69. Tac, tac, tac. Oh, c'est vrai qu'ils sont quand même bien nuls hein, au départ hein, nos coureurs. Hein. Mais en fait, il n'y a pas de sprinter. Il hein, y a catch, quoi. Ben, je sais qu'avant, il s'appelait Marnier et... non, pas Marnier. Ouais, je ne sais même plus. Je suis perdu. Oui, voilà. En plus, je n'arrive pas au bon endroit. En plus, je fais n'importe quoi. 72, 70, 71, 68, ça doit être c'est eux les sprinteurs. Hein. Là, on a nos grimpeurs, 71, 70. Là, on a nos vallons, 72, 70. Et nos polyvalents, qui sont polyvalents de que dalle, quoi. Hein. Ils sont, ouais. Ah si, pavé, il est pas mal. Garde-barrière, il est pas mal en pavé. Mais bref, donc on va jouer avec... il n'y a pas photo quoi. Avec Bistromae. Allez, 98 km, étape assez courte. Bon, c'est le critérium international, trois petites étapes. Bon, pour l'instant, j'ai pas regardé 15 millions de vidéos non plus, mais personne, je crois, n'a réussi à se qualifier à la première saison au Critérium du Dauphiné. J'avoue que je serais assez content de le réussir, mais j'ai vu ce qu'il en était, ça s'annonce quand même très compliqué. Donc c'est vrai que c'est... je fais surtout référence aux vidéos de Styros, où il était un peu fin énervé quand ils roulaient tous comme des tarés juste avant l'école. Après, donc c'est sûr que c'est chiant hein, quand on voit sa barre diminuer pour ça, surtout quand on a des coureurs de merde. Mais quelque part, ça veut dire qu'on va devoir gérer vraiment de façon très pointue, ce qui n'était pas forcément le cas dans les éditions précédentes, puisqu'avant, voilà, avant le col, on arrivait avec notre barre complète, on commençait petit plateau, et puis au moment où on le savait, on mettait le grand plateau, on finissait en sprint,
Voilà, c'était réglé. La tête de presse était pareil. Là, ça va pas être la même. Et donc, il faut qu'Eddie Mitchèvre prenne l'échappée du jour ou Alain Garde-Barrière ou Jacques Dutronc d'Arbre. Ouais, je vais regarder celui qui a le meilleur pourcentage en plaine et en endurance. 64-68, 70-72, ça c'est pas mal pour Alain Garde-Barrière. Et Eddie Mitchèvre, 71, 71, c'est pas mal non plus. Allez, on va prendre lui. Et puis là, c'est du plat. On va faire que de la récup parce que sinon, après, on est mort. Et à la fin, je pense pas qu'on ait besoin de grand-chose d'autre puisqu'on peut plus attaquer avec le rouge. Allez, c'est parti. Donc là, il y a deux écoles, hein. Enfin, deux écoles, deux façons. Hein. Enfin, moi, des fois, je fais simulation tout de suite, j'attends que l'échappée se forme. Bonjour à tous et bienvenue. Et après, j'essaie de la rattraper. Ou alors, on part directement. Sans difficulté, devrait se terminer par la sprint. Les deux fonctionnent. Hein. Après, on peut déjà pouvoir remonter le peloton. Bah, on va aller tenter de partir direct. Là, hein. Allez. En plus, il y a un petit mini-col. Ça, c'est la sauvegarde automatique. C'est sympathique, la sauvegarde automatique. Mais le problème, c'est que ça fait un petit peu sauter les coureurs. Oh oui, bah superbe. Ça s'anime en tête de peloton. Bon, on va les laisser faire un petit peu, voir ce qui se passe. Le peloton vient de rentrer. Forcément, c'est la première étape du critérium, donc tout le monde est chaud comme la braise. Et là, je pense qu'on peut peut-être tenter une petite sortie. Ah là, c'est chaud. Hein. Le break n'est pas encore fait. Ça relance maintenant, en tête du peloton. Ça motive un peu tout le monde. Attention, il ne va pas pouvoir attaquer encore très longtemps. Ah oui, mais ça, c'est sûr. Le peloton vient d'opérer la jonction avec l'échappée. Ah, c'est vrai qu'ils sont pas très résistants, nos coureurs. Hein. Il n'y a pas à dire. On va laisser prendre ça s'anime en tête de peloton. Le maillot à poids à qui je veux bien. Et puis on va essayer d'attaquer derrière parce que là, c'est pas possible. Allez, Thibaut. Qui part Martins. Ah, ça l'a déjà plus open. Martins, il va comme le vent là. Hein. Ah, derrière, ça s'accroche. Hein. Par contre, si je fais ça, je me crame tout en 3 secondes. De toute façon, c'est pas compliqué. Hein. C'est soit le peloton décide de nous laisser partir. Soit il refuse, et s'il refuse, on n'a aucune chance de partir. Donc il faut attendre le bon moment pour partir. Ah, ils ont l'air plus calmes. Essayer de forcer un peu le truc. Ouais, 50 secondes, c'est pas mal. Moi je suis en face patate entre les deux. Mais bon, on est parti là-bas au fond. Ça devrait quand même pouvoir rentrer, sauf qu'il y a une contre-attaque derrière. Ça va pas plaire au peloton. Le peloton roule fort, restez bien placé. Ouais. Les équipiers accélèrent. Il leur a sûrement demandé de reprendre le contre pour éviter une trop grosse échappée. Donc on va rester en attente une là. Minute pour l'échapper, c'est bien parti. Soit le peloton lâche l'affaire et puis on est tranquille sur Martins. Soit le peloton revient sur nous, puis on fait un contre. Voilà, tout simplement. On a du rouge, on a du bleu, on a tout ce qu'il faut, là, donc tout va bien. Attention à lui, c'est un véritable puncher qui peut s'imposer sur n'importe quelle arrivée en boss. Mais il peut aussi compter sur sa pointe de vitesse en cas d'arrivée groupée. Le peloton a l'air assez... Ouais. J'allais dire qu'ils ont l'air un peu plus tranquille, mais non, en fait, ils reviennent sur moi. Le peloton se met à rouler derrière toi. Un contre, on dirait qu'il veut pas un mec de plus en tête de course. Il faut faire un petit forcing pour essayer de les empêcher de revenir. Et puis me rapprocher un peu de Martins parce que lui il fonce là, hein, Martins. Allez, trois derrière là. Ils vont causer ma perte là si ils viennent sur moi. Voilà, Martins on l'aperçoit. 30 secondes, 40 secondes, là, ils vont rentrer dans tous les cas. Hein.
Allez, le peloton va revenir sur nous. On pourra faire un contre derrière. Donc il faut qu'on remonte son énergie là. Ah, c'est pas possible là. Donc il lâche maintenant, mais ça m'étonnerait. Ah, quoi que. 51-53. Mais il roule sans rouler ici. L'écart avec la tête reste stable. Voilà, c'est une première étape aussi bien, bah, aussi bien du Crétaillon que du Dauphiné que du Tour. Hein. C'est clair que les gens de 2014 c'est pareil. Hein. Une première étape c'est très très chaud de sortir. Hein. C'est vraiment un meilleure chance jamais. De victoire, c'est de tenter une échappée de loin. Là, je suis en train de cramer mon bleu pour pas grand chose. 1-0-7, ça évolue à la baisse. Donc, le problème, c'est qu'ils sont 4 devant. S'ils me rattrapent, peut-être qu'ils vont abandonner et qu'ils ne laisseront pas repartir. Donc, c'est un peu dur là. Hein. Mais là, je suis mal. Là. Là, je suis mal, je vais rentrer tranquillement pour me refaire un peu la suite. Utilise le grand braquet quand le rythme de la course s'accélère. Le reste du temps, utilise le petit braquet pour ne pas faire trop. À 10 km devant, de l'arrivée, l'échappée conserve une maigre avance sur le peloton. Oliveira qui est dans l'échappée, qui s'est fait lâcher. On vient de donner le deuxième ravitaillement à tout le monde. Et là, donc c'est parti. L'échappée est en train de résister au là, retour du peloton. Parti. Mais ça va être compliqué. Et quand il roule hein, quand même. Là, ça rigole pas. Aïe, 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 aïe. Reste aux avant-postes quand même. Regarde bien l'attitude des autres sprinteurs pour savoir quand lancer ton sprint. Si tu démarres trop tôt, tu ne pourras pas poursuivre ton effort jusqu'à la ligne. Si tu démarres trop tard, voilà le genre de commentaire que je ne supporte plus du coach. Si tu pars trop tôt, tu n'auras pas assez de force pour finir. On se dirige vers un sprint si tu pars massif. Trop tard, tu laisses partir les autres devant. Ah d'accord. Ah oui. Bah dis-moi par 1,3 km ou 1,2 km quoi, mais bref, c'est à peu près par là qu'il faut partir, mais il faut partir ce petit plateau, je pense, après passer le rang, mais exactement une, ça dépend aussi des couleurs, parce qu'on a des couleurs pourries. Là, ça peut me cramer quand même. Quoi. Ah, il y en a 2 km seulement. Ouh là là, mais j'ai pas vu ça du tout, moi. Un top qui était demandé là, je sais plus combien exactement. Donc le principal c'est d'avoir fait un objectif pour que toute l'équipe récupère quand même correctement. Mais bon, on n'est pas à chercher à gagner des étapes ou à porter des maillots hein, comme ça très bien fait. Ok. Donc c'est Guardini qui emporte devant Ventoso et Sciolek. Et donc nous on a Bistromae qui est 15e, Hervé Wisslard 24e. Et pas pire que 50e, hein, c'est quand même pas si mal que ça. Sauf que le 50e il est déjà à 54 secondes, donc il y a peut-être des surprises là quand même. Ceci dit, je cherche des favoris, je cherche à la Contador ou à la Froome, sauf qu'ils sont évidemment pas là, donc on va laisser tomber ça. Le classement de l'étape, c'est le classement général. On va directement... Allez, j'ai rempli qu'un objectif, mais bon, on est quand même pas trop mal, ça va aller. Surtout que là, c'est un petit contre-la-montre qui va pas nous fatiguer non plus, et après, c'est la dernière étape. Donc ça, la gestion de l'énergie pour le Critérium, c'est quand même assez tranquille. Et donc on va passer directement au contre-la-montre. Donc notre meilleur coureur c'est Hervé Wisslard. Mais il est en forme normale. Ouais, Johnny Hallyday est en forme correcte. De toute façon,
Oui, autant que je tente de faire la meilleure performance possible, de toute façon générale. J'ai même pas fait, je me souviens plus de ce que je dois faire. Ouais, là, il faut juste le terminer. De toute façon, pour passer au critérium, il faut finir dans les 20 premiers, je crois, en général. Et donc notre grimpeur, c'est qui notre grimpeur? C'est Benabar Taba, je crois. Voilà, 71, 73 en récup, 69, 69 en endurance. Ouais, je crois que c'est lui le leader de l'équipe. Bon, pour que je le prenne ou que je le prenne pas, il va faire 8, 11 ou 8, 15, quoi. Bon. Qu'est-ce que je fais? En plus, il est en bonne forme, allez, je le prends. Le dernier coureur à s'élancer pour ce contre-la-montre individuel est présent sur la rampe de lancement. Encore quelques secondes avant son départ. Allez, on l'applaudit bien fort. Allez, le chrono est court, il faut trouver un bon rythme le plus vite possible. Ouais, on va éviter de relancer avec les cocards qu'on a. On va garder l'énergie pour la fin, ça c'est sûr. J'ai pas encore mis des lignes de rennes, là. Reste bien en ligne, ne relance pas pour le moment. Ah, je ne sais pas, peut-être que je n'ai pas de danger. Attention, virage à droite. Après le virage à gauche, tu vas aborder un peu plus longtemps, ne relance pas trop fort. Ah, première intermédiaire, 4,44, bah, ça devrait quand même le faire, là. Hein. On a quasiment une minute pour 500 mètres. Et on roule à 38, hein, c'est fini, c'est vrai, quand même. Alors si un peu, j'ai peur que tu mal à terminer. Ouais, c'est vraiment un crack. Hein. Allez, c'est pas mal. Tu gères plutôt bien ton effort. Ah, je compte prêt. À fond maintenant. Ça va descendre quasiment jusqu'à l'arrivée. Garde quand même un peu pour la montée sur le dernier kilomètre. Voilà, le drapeau d'arrivée rattrape notre coureur. Voilà, c'est bon, on a un petit peu de marge. C'est juste la bricole qu'on pourra sprinter à la fin, de magistère. Allez, plus qu'un kilomètre, c'est un faux plat montant. Non, oh, j'ai envie d'accrocher la barrière, la colonne de héros. Il n'y a pas grand chose. Hein. Je ne sais même pas si on pourra sprinter quoi que ce soit. Oh. Allez, 2 mètres, non, même pas. Ce bruit, mais regardons. Est-ce qu'on a réussi notre objectif? 8-13, c'est donc à 23 secondes du vainqueur qui est Kinziato. Alors, les objectifs, Benabar Taba finir dans les 25 premiers et pas d'autres objectifs. Bah, c'est très bien comme ça. On va certainement ne jouer que la dernière montée avec Benabar Taba. De la fraîcheur et du citron pour la fin. Favori. Mais là je peux pas. Enfin, même que je vais viser dès maintenant, en tout cas. Mais... On va essayer de voir. C'est bien que ça monte quand même, histoire que. Qu'ils arrêtent de s'exciter là. Ouais, j'ai des coureurs qui sont en perdition. Allez, 16 km en fait, voilà, ça commence. Ah, ça fera... Ouf, j'ai eu de la chance, hein. Ça fera plutôt 15. Ah, je vais pas essayer de les suivre, c'est pas la peine. On va plutôt ramasser les cadavres. Ah, ça monte toujours pas, en fait. Hein. La course entame l'ascension du col de l'Hospédale, véritable juge de paix de cette étape, avec ses 14 km à 6,2% de pente moyenne. J'ai une barre, il faudrait normalement qu'il me reste allez, 3 km là. Ouais, il y en a les 5. Là, j'imagine. Il en reste 14. Bien. En utilisant que le petit plateau. Hein. Autrement, tu vas nous faire un coup de moins bien. J'ai pas mis une seule fois le grand plateau. Un coup de moins bien, là, je fais un coup de moins bien. J'ai encore un petit ravito, mais ça va pas m'amener bien loin quand même. Hein.
enfin, je traîne un groupe quand même, sauf que ceux qui sont au fond, là, c'est ceux qui vont craquer les premiers. L'écart entre le groupe des favoris et la tête de la course est de 30 secondes. Voilà, c'est ça. Donc, je vais rester un petit peu avec eux. Histoire de récupérer un peu de bleu, parce que là, c'est pas possible. C'est pas possible de prendre son ravitaillement à 12 km, là, c'est... Non, c'est pas possible. Donc là, on va faire remonter la barre bleue. Les gens qui n'étaient pas bien, les équipes qui ont donné leur ravito tout de suite. Voilà, ça c'est fait. Sacha Distil a un petit coup de main. Ouais. Il attaque. Et on est 61ème, donc il faut encore passer une trentaine de coureurs minimum. Bon, je te dis, ils sont pas loin devant. Hein. Parce que là, ils ont quand même roulé comme des mongoliens. Allez, Quintana ! Vas-y, Bettencourt ! Vas-y, Ryder ! Allez, Denis ! Vas-y, Dino ! Vas-y, Richie ! Bon, la barre bleue, on continue de doubler du monde, et la barre bleue remonte, il semble, hein, légèrement, mais je crois qu'elle remonte, donc c'est pas si mal. Ouais, enfin, faut gérer, quoi. Ah là, là, pas beaucoup de marge de manœuvre, là. Hein. Mais bon, il y a toujours des mecs en perdition. On est dans les 55e. Bientôt 54e. Ah, quoi que non. Il s'est relancé aussi, lui. Ah, mais c'est un équipier, moi, que j'ai même pas vu. Accélération à la tête du peloton. Il faut être vigilant. Non, c'est un Cofidis, j'ai dit n'importe quoi. J'ai vu son nom, je me suis dit, j'ai jamais ce nom-là. Ce nom-là à mon coureur. Il prend la tête du classement général virtuel. Allez, 53ème. Je crois que c'est 25. Hein. C'est dans les 25 premiers. Et pour passer, il faut être dans les 20 du. Pour avoir le critérium, il faut être dans les 20. Ouais. Ouais, ça remonte. Hein. Allez, on peut y croire. 53, 52. Il est en train de se faire décramponner. Bonne nouvelle pour le général. Ouais, c'est que les autres s'envolent. Hein. L'échappée augmente son avance sur le groupe maillot jaune. Ça va être compliqué quand même. Là. Continuez comme ça. Mais bon, j'ai du bleu qui me plaît plus à 7 km. À 7 km, là, je vais pouvoir repartir à fond. Parce que j'ai quand même mon ravito aussi. Et donc je pense que là, on peut peut-être mieux gérer. Bon, sauf que c'est un coureur. Voilà, c'est pas Thibaut Pinot. Hein. Mais bon, on est bientôt dans les 40 premiers, parce que ceux-là, je pense qu'on va les doubler. Et il reste 6 km, c'est quand même encore long. Ah, puis là-bas, elle descend vite en fait. Hein. Je vais devoir certainement refaire une opération escargot, entre guillemets. Ah, je rattrape que les sprinters maintenant. Hein. C'est Daniele Benati quand même, que j'aime doubler. Donc ça laisse quand même... Ça montre bien le niveau de mon coureur quand même. Je veux que vous rouliez derrière lui. Il est dangereux pour le classement général. Ah bah, on n'a déjà pas à rouler derrière, donc on va pas rouler devant. Hein. Allez, 5 km, je peux prendre mon ravito, là, ça va pas tarder. L'échappée entame maintenant les kilomètres les plus pentus du col. C'est le moment de faire la différence, car le dernier kilomètre est quand même moins difficile. Allez, de toute façon, ça va attendre. On verra la barre bleue qu'on a à gérer. Allez, 4 km 7, on voit le bout quand même. On n'est pas si mal que ça, hein, 42. Ah, on va finir 30e, quoi. C'est 35e, c'est dommage. Ah, peut-être même pas. Hein. L'écart est maintenant d'une minute entre les favoris et l'homme de tête. Il lui manquerait un petit point de montagne pour que ça soit peut-être possible, c'est pas possible. Dans cette configuration-là, du moins. Ah, il y a quand même du monde devant là. La 25e place, elle est pas si loin que ça. Changement de leader en tête du classement du meilleur jeune. Allez, 3 gros kilomètres. 39e, allez, on va y croire. De
soit ils sont à l'agonie, soit ils sprintent. Hein. Il n'y a pas l'apprentissage du tout. On est à moins de 2 km en ce qui concerne l'homme de tête. En fait, ils ne savent pas rouler normalement. C'est un truc qu'on n'aura pas appris. Je ne sais pas si c'est. Bon, c'est sûrement pour que le jeu soit plus intéressant, quand on aura des meilleurs coureurs. On a des mises là-dessus. Mais c'est vrai que c'est quand même pénible de les voir soit sprinter, soit mourir. Quoi. Ah, 35e, hein, 30e c'est possible, 25 ça va être compliqué. Ah, surtout que c'est 20e au général en plus je crois. Je pense qu'on était obligé pas dans les 20 premiers il me semble. Allez 1,9 km en plus ils sont à l'agonie mais ils arrivent quand même à sprinter à la fin. Donc ça c'est encore un mystère. Ce qui dit moi je peux sprinter. Hein. 1,5 km peut-être pas mais je vais attendre un petit peu. Mais j'ai quand même de quoi sprinter donc pas si mal géré que ça quand même. Je mettrai presque le grand plateau, là, je le mets. Sauf que lui, ça va utiliser en 3 secondes. Mais à 700 mètres, il ne le fera jamais. Alors là, une trentaine. C'est quand même compliqué de faire mieux, enfin je ne vais pas dire que j'ai fait le possible, mais je pense que c'est prévu pour qu'on fasse que participation au critérium international pour la première année de cette carrière. Et donc au final, on est 17e au général. Ah bon? Comment c'est possible? Benabar Taba. À 3,32, parce que l'étape on a fini quoi? On a fini au 30e, on a dit 30e à 3,12, mais bon, le contre-la-montre n'était pas mauvais, et donc du coup, on est 17e, et donc on est qualifié alors en 17e. Il me semble qu'il faut finir de ce que j'ai dit. Je suis pas sûr de ce que je dis, mais bon, regardez rapidement ça. La Vissler 17e de la montagne. Nietzschevre 26e des points, pas de gêne, 14e position en équipe et pas d'échappée, donc voilà, tout le monde à zéro. Et donc, suivant, bon, ok, là le général, pas mal, ouais, ok, 32 000, et on est qualifié pour le Dauphiné. Et oui, ce qui me semblait. Oh ben là, je suis content là. J'en ai même pas réalisé. Ok, bah c'est super. Voilà, donc on voit la présentation du Dauphiné qui sera la prochaine vidéo. Bah, je vous remercie tous d'avoir suivi. Je suis content de vous avoir retrouvé. Ça fait plaisir de faire des vidéos. Merci beaucoup à ceux qui sont contents de me revoir. Et je vous dis à très bientôt. Ciao, ciao.